Donc nous revenons aux mains. Les mains, quand les doigts sont dans différents sens. Hein. La main est mobile, donc en fait, tout ça, c'est une mécanique. On va travailler quand on fait de l'autostop, le pouce. Alors, déjà, pouce séparé des autres doigts. Voilà, avec ici... La première quand même phalange, deuxième phalange, vous voyez, il n'y a que deux phalanges en fait visibles dans le pouce, voilà, le pouce. Ensuite, on va voir des plis et le début de ce grand muscle qui est le fameux adducteur du pouce. Et on va installer ici, assez visible, l'arrondi que fait la phalange de l'index, la phalange du majeur, la phalange de l'annulaire et on voit pratiquement pas le petit doigt. On va faire notre grand plateau, grand trapèze externe et les doigts vont partir dans une autre direction. Ils sont pliés, assez larges. Donc pliés, donc ils sont assez larges parce qu'ils s'écrasent. 1, 2, et on voit à peine le petit doigt. Voilà. Alors, je vais peut-être faire un peu petit. On va agrandir un peu. 2, 3 et 4. Ce qui va être intéressant, c'est qu'ici, on a des ronds assez marqués. Voilà. Ici, c'est un paquet de muscles importants. Hein, un paquet de muscles importants. On va redescendre et ensuite le poignet. Évidemment, là-dessus va laisser apparaître les veines. Voilà, donc l'autostop. On va pouvoir mettre aussi de l'ombre. Tout ça, ça va être dans l'ombre. Et ces doigts-là, en revanche, vont être plutôt dans la lumière. Voilà, on peut mettre même un petit bout qui dépasse ici. Voilà le numéro 9. Thank you.